Jean-Pierre Marcellesi prêt à s'exprimer sans sa guitare et en plein jour, la chose est suffisamment rare pour être précieuse. Entre deux concerts privés et la sortie de son troisième album, cet autodidacte, amoureux du Maroc de son enfance et de l'hospédale et de ses vacances, se prête au jeu de la confidence, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Jean-Pierre. Dans ma vie, oui. Au milieu de certaines photos, en tout cas, ouais. De votre vie, des clichés marquants, hein, bien sûr. C'est le principe de l'émission. On va apprendre à vous connaître, justement, à travers les photos, si vous le voulez bien, que vous allez nous commenter. Et donc, je suis allé dans l'album photo de famille, et j'en ai trouvé cinq, là, pour commencer, dont Jean-Pierre, celle-ci. Alors, ça, c'est, ça, c'est magique, ça. C'est donc, quoi, là, ça? Là, on voit mon père, mon oncle Jacques, son jeune frère. Et Antoine Terrazzone, qui est son meilleur ami, et Fanfan Alessandri aussi. On est où là? Là, on est à l'hôpital. Donc, village. Le berceau. Le berceau de la famille. Enfin, de toute façon, avec le problème des chaleurs, et il y avait même la malaria à l'époque à Porto-Vec, les gens montaient à l'hôpital, d'où le nom d'ailleurs de l'hôpital, qui voulait dire l'hôpital, puisqu'on évitait tout ce qui était paludisme et tout ça. Donc, tout le monde montait là-bas. Et eux, à ce moment-là, ils jouaient de la guitare avant même d'avoir créé, d'ailleurs, à eux-mêmes, un petit établissement qui s'appelait Les Trois Guitares. Dans lequel ils recevaient quelques touristes aussi. Et là, ils s'amusaient vraiment entre eux. Virtuose de la guitare, votre père. Virtuose, ah, oui, ouais, d'accord. Et autodidacte. Hein, complètement, qui jouait pour la BBC. Qui a joué après, parce que bon, comme il faisait des études d'anglais, donc il avait la facilité avec cette langue. Il est prof d'anglais. Son métier, c'est prof d'anglais. Ouais, il est prof d'anglais, voilà, c'est ça. Donc il fait ses études à Cannes et à Nice. Et il a cette chance-là, à un moment donné, d'être remarqué, parce qu'il avait une voix quand même hors du commun, il avait une manière de jouer avec les... Moi, je disais, il amenait les nouveaux accords un peu en Corse, il avait cette manière de jouer bien à lui, une voix de rossignol, quoi. Mais il a un mini-drame, votre papa, qu'il se casse la main. Il se casse la main. Et il ne peut plus jouer de la guitare correctement. Il ne peut plus jouer comme normal. C'est-à-dire que quand il bougeait un doigt, tous les doigts bougeaient avec les autres, quoi. Mais c'est pas lui qui vous a poussé à faire la guitare. On reviendra, hein, effectivement. Lui, il voulait vraiment vous pousser dans les études, quand même. Ah, il voulait pousser dans les études, mais même la guitare, il voulait bien me pousser, mais à partir du moment où j'allais le faire sérieusement, que ce soit moi comme mon frère, parce qu'il avait toujours cette phrase qui disait, il vaut mieux faire la moitié des exercices que tous les exercices à moitié. Donc voilà, ça c'était lui. Lui, là, qui est là. Alors là, c'est mon grand-père maternel. C'est Émile Guilbert, donc, qui était à lui à ce moment-là. Donc, au début, il faisait danser les gens. Il avait son orchestre, il était chef d'orchestre. Il faisait danser les gens à Tunis, parce qu'il est né en Tunisie et il a grandi à Tunis. Et il a même fini par être président de la SACEM en Tunisie pendant des années. Voilà, Émile, auteur-compositeur de tango argentin. Voilà. Très belle photo. Très bel homme, oui. Ouais. Allez, venez avec moi. En vieillissant, il ressemblait au publiciste un peu... Séguéla. Exactement. Voilà. La famille, au grand complet, là, on est à Tanger. Pourquoi on est à Tanger? On est à Tanger parce que, justement, mon père était dans l'enseignement. Mon père a connu ma mère en Tunisie, en allant enseigner là-bas sur l'île de Kerkena, en face de Sfax. Ma mère a grandi à Sfax. Mon frère est né à Sfax, d'ailleurs, après. Mes parents sont mariés là-bas en 57. Et mon frère est né donc là-bas en 58. Ensuite, ils sont rentrés à Millau, dans l'Aveyron. Ma sœur est née à Millau. Après, bon, l'été, bien sûr, on venait... Toujours à l'hôpital et tout ça. Moi, je suis né accidentellement en Corse. Enfin, accidentellement, oui. Je pouvais être que l'été, puisqu'on n'y était que l'été. Je suis né en août et c'est ma grande fierté d'être né à Bastia. D'ailleurs, c'était un jeu quand je faisais aller mes frères et sœurs. Je disais toujours, le plus Corse, c'est moi. Donc, j'avais cette fierté-là. Et donc, on est parti vivre à Tanger. Là, cette photo, c'est à Tanger. On est parti d'abord à Rabat. Mon père avait été muté au Maroc. Et on était parti à Rabat et puis à Tanger, où d'ailleurs, ma mère après était institutrice. Mon père était prof d'anglais. Et à Tanger, il était censeur. Exactement, voilà. Exactement. Tout à fait. Aussi conciliateur ou... À la fin. À la fin de sa carrière. D'accord. Ah oui, c'est à la retraite, ça. Voilà. Et là, on reste au Maroc. On a quitté Rabat, on est à Tanger. À Tanger, vous commencez à découvrir les joies de l'école. Ah, et vous êtes même plutôt bon élève. C'est parce que c'est vous, là. C'est moi, oui. Premier rang, quand on a le privilège d'être au premier rang, c'est qu'on est un pas mauvais élève. Au-delà de ça, vous vous souvenez un petit peu de quelques personnes là, sur cette photo? Alors, bizarrement des filles, je ne sais pas pourquoi, mais elles, c'était Cathy Thomas, avec qui on jouait beaucoup le mercredi et le samedi, et très amie avec ma sœur également. Là, il y a Virginie Canon, ici, de Bonifacio. J'imagine, oui. Ouais. Lui, c'était Jean-Louis, mais alors bon, je ne me souviens plus tellement. Là, c'est Sandrine Serfati. Alors, c'est intéressant que vous vous souveniez des prénoms, parce que quand j'ai préparé cette émission avec vous... Ouais.
vous vous souvenez de tout, de toute votre période marocaine. Ouais, c'est le bonheur absolu. Le bonheur. Vous êtes hyper amnésique le sur bonheur. Cette période-là. Le bonheur. Le bonheur. Ah, le Maroc, c'est... C'est quoi le Maroc, Jean-Pierre? C'est l'insouciance, c'est la... Puis les gens sont très familles là-bas, hein. C'est comme chez nous, donc il y a vraiment un rapport avec être vivre là-bas et être à la fois partagé entre le fait comme d'être touriste et de vivre sur place, je sais pas, et puis les odeurs, tout. Vous y retournez d'ailleurs, régulièrement. Ça, voilà, des gens qui font vraiment partie de cette maîtresse-là que j'ai eue d'ailleurs au CP et que j'ai eue après au CM1 également. Et que vous avez recroisé plus tard d'ailleurs. Elle vous a demandé alors, bon élève, comment tu étais? Qu'est-ce que tu deviens, mon coco? Oui, vous avez dit, moi, je suis plutôt. Oui, j'ai dit, moi, j'ai une boîte de nuit. Alors là, c'était la déception pour elle. Voilà. Mais justement, le bonheur, l'hypermnésie, à tel point que quand vous êtes parti après du Maroc, que vous êtes allé vivre du côté de Millau, vous vous souvenez plus non, quand je vous demandais des questions. Vivre à Avignon. À Avignon, vous vous souvenez plus d'Avignon pratiquement. C'est des années, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable la mémoire. Allez, venez pour la dernière photo. Ces photos-là, on a trois voitures. Alors là, oui. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous quittiez le Maroc pour remonter en Corse chaque été, vous ne preniez pas le bateau, vous preniez la voiture. On prenait la voiture. Alors bon, moi, la première là-haut, elle a une histoire, mais je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai pas connue celle-là parce qu'elle est tombée. Mon père est tombé sous un pont en descendant entre l'Hospédale et Porto-Vecchio, qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle le pont de Marcel, que tout le monde appelle le pont de Marcel. À cause de ça. Oui, parce qu'il est tombé. Marcel, c'est pour toi. D'accord. Oui. Alors bon, il y a même une anecdote. D'ailleurs, heureusement que ma mère n'était pas avec, puisqu'elle était enceinte de moi. Et enfin, heureusement pour moi. Mais il y a une anecdote parce que mon père faisait toujours l'esprit. Et puis, quand il est tombé dessous, il a été éjecté. Il s'est retrouvé en bas. Et là, tout le monde est arrivé. Et parmi les gens qui étaient sur le pont, on demande comment ça se passe. Et il y a mon oncle qui fait. Oh, Marcel, diavola cercati, il dit. Alors, je vais descendre te chercher. Et mon père d'en bas qui lui répond. Ma on l'a dit, dès on ne sait pas faire la game vitour. Donc, il lui répond, tu vois pas qu'ici, on peut descendre en voiture. Voilà. Donc, ça, là, vous ne l'avez pas connu. Par contre, connu. C'est de après, là que vous les avez connus. Donc, on a grandi avec la Simca. La P60, là, ouais. On venait de Rabat. Donc, c'était. Fallait traverser le Maroc, fallait traverser l'Espagne, fallait traverser toute la côte française pour prendre le bateau après à Toulon. Et si je me souviens bien, en fait. Tout le monde dormait dans la voiture et vous aimiez vous mettre à côté de votre papa et faire semblant de conduire. Je faisais même pas semblant. J'avais un volant ventouse que je collais avec les vitesses là. J'avais un volant ventouse et je faisais les mêmes gestes que lui et j'adorais ça parce que parce que des fois mon père tentait, des fois on s'arrêtait dans les hôtels et des fois il disait allez je le fais. Allez on fait la nuit. On l'a fait. Et tracé. C'est peut-être de là que vous avez aimé la nuit. Ah ben j'aimais tellement la nuit que je confondais la nuit et le jour, puisque mon père, quand le jour se levait, il disait, mais on dort, maman, il lui suguit. Et je lui disais, papa, aujourd'hui, c'est demain. Donc, il se disait, bon, là, il y a un décalage, là. Et il avait raison. La nuit était... Mais le monde de la nuit. Voilà. Et là... Et là, c'est quand effectivement, il est devenu, quand il a pris du poids sociologiquement, et donc, il avait une plus belle voiture, effectivement. Il arrive devant l'école Bercher, il vient me chercher avec cette voiture, et là, c'était... Les voyages, c'était plus pareil, quoi. Eh bien, les voyages, si vous le voulez bien, il va être assez court, on va aller dans la pièce d'à côté, pour parler justement du monde de la nuit, puisque c'est votre monde, quand même, Jean-Pierre, allez, venez. Allez, Jean-Pierre, c'est donc ici que ça se passe, la mise au point sur la vie nocturne, ou pas, Vous allez suivre, vous suivez le guide, c'est très simple. Voilà. Je passe des photos là sur ce mur et vous commentez. On va commencer avec celle-ci, si vous le voulez bien. Ah, Polnareff, les Beatles, ça oui, ça c'est tout c'est tout ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Donc Polnareff, j'ai d'ailleurs ma première chanson, La poupée qui fait non. C'est la première musique que j'ai jouée à la guitare. Voilà. En revenant, je suis même arrivé de mon père en faisant ces trois accords magiques là, le mi, la, ré. Voilà. Les trois accords, effectivement, la poupée qui fait non. Et les Beatles, c'est quand vous êtes au Maroc, vous avez une idole, enfin, votre grand frère qui joue déjà bien de la guitare, c'est ça ? Mon frère qui joue bien, mais mon père aussi, comme il a un fils anglais, qui chante aussi des chansons des Beatles, c'est Help, par exemple, et tout ça. Donc, on rentre très vite là-dedans, dans cette culture anglo-saxonne. Moi, moins de facilité avec la langue que mon frère. Mais par contre, avec la musique, oui. Mais justement, les facilités, ça vous joue des tours, parce qu'encore aujourd'hui, vous jouez merveilleusement bien de la guitare, c'est sûr, mais vous ne savez pas la lire, la musique. Vous allez peut-être trop vite. Pourquoi vous n'apprenez pas à lire la musique ? Je ne sais pas, parce que bon, je pense que c'est... Je me suis toujours dit que ce n'est pas la peine et tout, mais c'est de la facilité. Je pense que... quand ça devient trop technique comme ça, ça ne me plaît pas. Quoi. C'est comme jouer avec des musiciens qui sont trop fonctionnaires dans l'esprit, je ne peux pas. Quoi. C'est pas vous. C'est pas moi. Quand vous étiez d'ailleurs avec Yves Duteil sur scène, ça vous a un petit peu joué des tours parce que justement, il fallait une époque. Alors avec Yves, ça a été une très bonne école d'ailleurs et je ne le remercierai jamais assez parce que
En fait, quand j'étais avec lui, c'était la perfection. Ben, je me retrouvais, je passais du cabaret. Alors, passer du cabaret à la scène, surtout avec des gens comme ça qui sont des bosseurs et tout ça. Et je me retrouvais à avoir des feuilles avec des notes, mais personnelles. Personne d'autre que moi pouvait les... Votre partition. À ma partition, il y avait marqué tel accord, comme Canson la vagabonde. J'avais des références avec d'autres chansons. Le truc comme ça. C'est comme un copilote, exopilote. Il n'y a que vous qui pouviez comprendre. Il n'y a que moi. Cette photo. Ça, c'est, ça, c'est une répétition avec Isourdiente. Parce que vous avez fait partie du groupe. Oui, mon frère avant, d'ailleurs, mon frère est rentré bien avant moi. Moi, je suis rentré, d'ailleurs, je suis resté moins que lui. Donc, on voit bien sûr le fondateur du groupe, enfin, un des fondateurs, d'ailleurs, les deux. Je pense à l'extrême gauche, il y a Noël Leval, pour commencer, avec la guitare. Ensuite, Bati Profig, qui a d'ailleurs écrit la chanson avec mon frère. Mon frère avait composé la musique de Record, où lui avait fait le texte. À l'extrême droite, là-bas, c'est Philippe Terrazzone, aussi, qui était rentré dans le groupe en même temps que moi, qui avait une très belle basse. Très beau chanteur et moi au milieu. Et vous au milieu qui chantiez corse. Et au début, dans votre vie, vous ne chantiez que corse. Ça vient sur le tard de chanter en français. C'est que corse. Et cette photo d'ailleurs, elle est importante parce que c'est à la Taverne du Roi, là. C'est à l'Alba. On va venir. Écoutez. Wow. Jean-Pierre, ce cabaret, il est ouvert depuis quelle année maintenant? Depuis 71. 1971, il a 25 ans, le 10 juillet, il aura 25 ans. Et pourquoi on l'appelle l'Albe ou la Taverne du Roi? Pourquoi il y a plusieurs noms? On l'appelle l'Albe parce qu'à l'origine, c'était le roi Théodore, c'est mon oncle qui avait donné ce nom. Ensuite, on l'avait pris en gérance pour un hiver, on l'avait appelé l'Albe, c'était plus court, c'était mieux, ça sonnait mieux pour nous. Et ensuite, quand on l'a racheté avec mon frère et Charles Hubert, mon oncle nous a demandé juste sentimentalement de le rappeler la Taverne du Roi. Donc c'est redevenu la Taverne du Roi? C'est redevenu la Taverne du Roi. On est dans les années 90, là, à Porto Vecchio. C'est drôle, hein. c'est la fête absolue, Porto Vecchio, dans ces années-là. Période fantastique. Période fantastique. Ah oui, période extraordinaire. Tellement fantastique, ça marche énormément. Et vous me disiez, avant qu'on fasse cette émission, même qu'à l'époque, dans ces années-là, à Porto Vecchio, vous pouviez même fermer au mois d'août, tellement ça marchait. Ah oui, nous, ça marchait tout l'hiver. C'était la Frédéric Rocazière, là. Un phénomène. Ah non, mais c'était des soirées folles. On cartonnait, quoi. C'était. Mais même, d'ailleurs, tout le monde cartonnait. Je dis pas que c'était grâce à nous, mais les gens, du coup, par le fait qu'ils venaient passer des week-ends là-bas, des gens de Bastia, d'Ajaccio et tout, il y avait une espèce d'énergie. Tout le monde se donnait les moyens pour recevoir cette clientèle-là. Et donc, c'était plein, quoi. Les week-ends partaient du mercredi au dimanche. C'était la folie, quoi. Huit mois de l'année. Ouais. Non, mais c'était monstrueux. On n'arrivait pas dans l'été en se disant, bon, c'est bien, watch ma gampa, on va travailler tout. Pas du tout. On travaillait l'hiver, on pouvait, comme on dit, se payer le luxe si on voulait, d'ailleurs, on ferme mois d'août, allez. Mais bon, on ne le faisait pas quand même. Ça dure combien de temps? Oh, ça a duré pas mal d'années. Jusqu'en 2000. Ouais, j'ai mal. Enfin, ça a duré, oui, jusqu'en 2000 et tout, mais la nuit a changé quand les choses ont changé en Corse, malheureusement, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Et donc, vous partez, justement? Vous partez, ouais. Vous allez là, au Venezuela. Et finalement, vous ouvrez l'Alba au Venezuela. El Alba. Voilà, enfin, mais ça fait un peu pchit, non? Ouais, en fait, on ne l'a jamais exploité. Parce qu'au même moment, justement, bon, quand on part là-bas, qu'on commence à s'installer, à faire des travaux. Et, on avait aussi dans l'optique de ramener les enfants avec nous. Mais il y avait quand même ce problème de sécurité. Je ne suis pas tombé fan, moi, du truc. Donc, allez, on oublie. Ouais. Et vous débarquez à Paris, le Floridita. Et là, ça repart de plus belle. Merveilleux souvenir. La fête encore. Toujours la fête, Jean-Pierre. Vous aimez la nuit, vraiment. Là, c'est confirmé. Ça a commencé dans la voiture de votre papa. Ouais. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qu'il y a la nuit, Jean-Pierre? La nuit, je pense que c'est un peu comme la solitude pour Moustaki qui dit « Je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude ». Eh ben moi, je pense que la nuit, c'est pareil. Je me sens bien la nuit. Moi, j'aime la vie, la nuit et le matin. Parce que regardez, même dans une ville, regardez la mer. L'après-midi, c'est brouillon. Au mar est montato, la mer est démontée. Les villes, c'est tout. La nuit, le matin, c'est beau. Ça se met en place. La nuit, ça devient un village. Les grandes villes deviennent villages la nuit. Moi, j'adore ça. Vous vous régalez. Vous rencontrez beaucoup de monde. Ah oui, beaucoup de monde. Vous commencez à connaître du monde. Dont cette personne. Enfin, vous ne la connaissez pas à Paris, mais ça fait partie d'une rencontre. Qui c'est, lui? Alors, cette rencontre, elle vient quand, justement, dans mon affaire à Paris, au Floridita, on organise un showcase avec un éditeur que j'ai à l'époque, et je me retrouve avec des propositions de maisons de disques, dont une que je choisis, qui était V2, qui était le nouveau label de Richard Branson,
qui avait Virgin à l'époque. Et quand j'arrive avec Chocine dans ce label, qui était d'ailleurs mon directeur artistique était un type de Dugnol ou Jean-Valéry Albertini, Abdi était signé chez eux également, un Marocain. Et donc là, je me retrouve encore avec le Maroc, avec lui, et qui est mon frère de cœur, quoi. Voilà. Et c'est devenu une habitude. Alors, je fais rire les gens parce qu'une fois, j'ai dit, il est sur tous mes albums, et on m'a dit, tu en as fait combien? J'ai dit, deux. Il est dans toutes. Eh bien, les voici, voilà. Les deux albums. Voilà. Le premier, justement, c'est pas trop un bon souvenir. Et les gens m'ont dit qu'ils voyaient trop gros pour un artiste. Moi, j'avais pas besoin de tout cet artifice-là. Ils m'envoient à New York, dans les gros studios, pendant un mois à New York, des dépenses inutiles. Alors qu'avec rien que les dépenses de restaurants et d'hôtels, on pouvait faire un album ou un album et demi. Donc c'était un peu. Et c'était une aventure où là, pour le coup, quand j'enregistrais, j'avais perdu la. J'étais devenu un fonctionnaire. Je venais à telle heure. C'était pas trop mon truc. Malheureusement, c'est dommage parce que ça a été dénaturé par rapport à tout ce qui devait être fait sur cet album. Voilà, ça aurait pu être mieux. Et en plus, bon, la mauvaise surprise, c'est que j'avais signé dans un label et quand j'ai signé, ceux pour qui j'avais signé avec. Ils sont partis sur un autre label. L'autre, par contre. Alors, le deuxième, c'est une autre aventure. C'est une belle aventure pour moi. Ouais. Superbe chanson. Ouais. Puis je me suis toujours avec Alain Dimeil, comme fidèle ami, avec Jean Fauque, avec des gens comme ça. Alors, vous l'avez évoqué, tiens, Étienne Rodagil, qui a été un de vos paroliers, parce que vous avez parlé Alain Dimeil, Rodagil. Vous avez eu de la chance de rencontrer des personnes magnifiques. Ah ouais. Mais justement, quand vous êtes avec Rodagil à New York, à l'époque, il se passe quelque chose. Vous allez du côté du Blue Note. Ouais. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis Blue Note. Blue Note, ouais, tout à fait. Et il y a lui au Blue Note. Il y a lui qui dort dans un box à côté de nous. Et il se lève, et moi je ne vois pas qui est George Benson. Le grand George Benson. Et il se lève, et c'est bien que vous l'ayez mis avec une guitare nylon, parce que bon, moi je suis plutôt guitare nylon. Et là, il se lève, et il va sur la scène, et il fait le bœuf, en plus sur une chanson que je connaissais de lui, Breathing. Là, et Étienne Rodagil me dit, va prendre, il y avait une troisième guitare, et je n'ai pas osé. C'est-à-dire que c'est votre idole de... C'est une de mes idoles. Une guitare, c'est une référence. Et il vous dit de monter sur scène et vous ne montez pas. C'est Étienne Rodagil qui me dit, tu peux y aller, le Blue Note, c'est fait comme ça. Si tu y vas, ils vont t'accueillir bras ouverts et tu vas jouer avec lui, tu vas te régaler. Mais je n'ai pas osé. C'est votre côté timide parce que là, on a vu les photos. C'est mon côté peut-être timide, c'est peut-être mon côté aussi des fois pas toujours sûr de lui aussi. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et puis nous, on a toujours tendance à penser qu'il n'y a que les autres qui peuvent et pas nous. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le problème de l'insularité. On est un peu comme ça. On est un peu complexé, oui. Bah, à côté de ça aussi, j'étais tellement heureux de l'avoir là, à quelques mètres. Hein. J'ai cette rencontre. Je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Maintenant, avec Étienne Rodagil, après, quand j'aurais fait le truc, avec lui, s'il avait vécu plus longtemps... Il allait se passer plein de choses, parce que c'était un mec, c'était Monsieur Étienne dans New York la nuit. Alors vous avez peut-être raté cette rencontre, mais il y en a une autre que vous n'avez pas ratée. Ouais. C'est dans une pièce à côté, si vous le voulez bien. C'est ce qui se passe, c'est la séquence sur ex ou sous ex. Allez, d'accord. Venez avec moi, viens. Allez, c'est par là. C'est par là, Jean-Pierre. Séquence sur ex ou sous ex. Alors, c'est votre vie dans les médias, bien sûr. Mais comme on parlait de rencontres, on va commencer par cette rencontre, si vous le voulez bien. Ah. Celle-ci. Magnifique rencontre. Magnifique rencontre, c'est Sophie Desmarais. Cette grande dame, je le dis, avec son mari, Daniel, qui sont des gens super, avec grande sensibilité. Et qui m'a permis de réaliser deux rêves. Celui de venir d'abord faire un concert à Montréal pour justement pour sa fondation Jasmin, qui est contre l'intimidation et qui se passe chez les jeunes et chez les adultes. Parce qu'elle a vécu ça. Elle a un parcours quand même particulier. Et après aussi parce qu'elle m'a permis de financer tout mon album. C'était quand ce concert qu'on va écouter là? Alors là, c'était Montréal, février 2016. Maintenant, on écoute. Merci Sophie, merci la vie, tu as transformé ton mal pour du bien, tu as réveillé en toi ce que chacun
n'ose dire, n'ose avouer, car tu sais bien que dans la vie. Alors vous les avez tous fait chavirer là-bas à Montréal, hein. Ça a été un gros succès. C'est une improvisation, ça en plus. Ça, c'est une improvisation, oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai écrit le matin, et puis parce que j'avais vraiment envie. Et c'était pas évident. En plus, elle a tellement de présence, elle était là juste à côté. Et puis, bon, tu sais, ces gens-là qui sont comme ça, spontanés, avec cette spontanéité, aussi généreux. Et parce que peut-être aussi, ils ont été meurtris aussi. Mais j'étais. C'est elle qui m'a donné. Sous le charme, tous les deux. Mais générosité, parce que vraie du coup, générosité. Elle a décidé de financer votre prochain album qui va sortir. Alors des chansons magnifiques, hein. On est venu il y a quelques images de vous justement en train de préparer cet album. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est le moins qu'on puisse dire, mais en plus il va être surprenant. Il y a aussi, c'est plutôt funk, non, je crois. Il y a funk, il y a même un rap corse, il y a du funk corse, un peu à la Pino Daniel, je dirais, un peu. Ouais, c'est toutes mes influences, guitare et tout, puis je suis avec des musiciens et amis, parce que bon, je suis obligé quand même de citer Philippe Pimenov, qui est un Ajaxien et qui est vraiment un musicien qui peut parcourir le monde sans problème, il n'a pas besoin de moi. Il y a Nicolas Zimaco, le fils du footballeur, l'Ajax Zimaco. Ouais, super. Piro Barrios, qui est un Cubain, c'est le plus Ajaxien des Cubains, qui est installé. Et puis des collaborations aussi. Et des collaborations. Christophe et puis il y a Vincent Vidal aussi, quand même, au clavier. Bon, Christophe Maé. Il y a Manu Katché, Grand Corps Malade, qui fait un duo fantastique. Et puis il y a un chanteur sénégalais, Woz, qui m'a été présenté justement par Vincent Vidal. Toujours vos racines africaines. Toujours des racines africaines, oui. Question qu'on pose dans cette partie de l'émission, c'est que vous pensez souvent à votre futur. Oui. Bah, mais, parce qu'il y en a qui pensent pour vous à votre futur et qui l'imaginent. Il s'appelle Vincent Isre. Regardez un petit peu comment il imagine votre futur et vous nous direz si ça correspond à ce que vous imaginez. Je vais voir. Le soir du 22 juillet 2024, Jean-Pierre Marcellez y donne un concert endiablé au Casone, à Ajaccio. L'artiste corse aux mille rencontres musicales a, une fois de plus, surpris le public en mélangeant les genres, en acceptant cette fois-ci un duo avec le rappeur Jul. Bien que la prestation rencontre un franc succès et que les rappels se multiplient, Jean-Pierre commence à se dire qu'il a définitivement fait le tour des featurings improbables. Sentant qu'il ne saura pas mieux surprendre le public, il décide de se retirer du monde de la musique pour repartir sur les traces de son enfance. Dans la vieille voiture de son père, refaite à neuf, il sillonne les routes d'Espagne et du Maroc. Jean-Pierre ne se fait pas de soucis, de toute façon, ses enfants, musiciens aussi, prennent le relais. En outre, les nombreux amis célèbres que Jean-Pierre a conservés de sa carrière musicale lui ouvrent toutes les portes. Néanmoins, et comme il faut bien vivre, Jean-Pierre renoue un temps avec son passé de roi de la nuit et décide d'ouvrir un nouveau cabaret, le Kif Kif, sur place au Maroc. Jean-Pierre enchaîne donc les soirées endiablées dans son cabaret et chez ses amis fortunés. Intérieurement, pour Jean-Pierre qui a traversé l'Inde à pied, l'obscurité des clubs privés finit rapidement par s'avérer un peu ennuyeuse. Être musicien lui manque. Surtout que la timidité de Jean-Pierre est elle aussi mise à rude épreuve. Les paparazzi, qui poursuivent ses amis stars, ne l'épargnent pas non plus. Et un oligarque russe lui propose même de le filmer 24 heures sur 24 pour une émission de télé-réalité. Jean-Pierre refuse, sans façon. C'est finalement lorsqu'il assiste, impuissant, à un concert entièrement chanté à l'autotune, que Jean-Pierre explose. Pour le bien de la musique et des mélomanes, il comprend que c'est son devoir de reprendre du service. Jean-Pierre rentre alors en Corse et recommence à enchaîner les rencontres musicales et les nouveaux albums. L'occasion pour lui de faire la plus importante rencontre musicale de sa vie, avec ses propres enfants. Moralité, chassé le naturel, il revient en chantant. Ça vous plaît ? J'adore laquelle ça a été. D'ailleurs, ça fait un peu rêver quelque part. Mais non, je ne reviendrai pas au cabaret, maintenant. Pas de kiff-kiff. Non, pas de kiff-kiff au Maroc. Par contre, la rencontre le avec... Le kiff tout court, oui, au Maroc, mais pas avec, de kiff. Avec les enfants, d'ailleurs, le kiff, hein, qui reprennent le flambeau, effectivement, notamment à Paris. À Paris, et puis les deux frères, la sœur, enfin, ils chantent bien. Et puis la petite aussi qui danse bien, donc on ne sait jamais. Là. Mais vous avez quand même Marcel et Hugo, les deux fils, là, qui sont des virtuoses de la guitare. Ils jouent mieux de la guitare que vous à votre âge, vous me disiez. Oui, ils ont cette facilité. Et puis, bon, il y en a un qui est très artiste, l'autre qui est très musicien. Ils se complètent tous les deux. C'est beau de les voir. Moi, je suis tellement fier. Voilà, c'est encore les frères Marcellez. Marcellezis, comme il a mis, comme voilà, il a mis Vincent. Ouais. Vous continuez de voyager beaucoup. Il l'a fait exprès parce que j'ai un défaut de langue. C'est pour ça. Je pense pas. Vous continuez de voyager beaucoup et de retourner au Maroc parce que le Maroc est vraiment présent, on l'a bien compris. Et je voudrais qu'on termine. Là, quand je vous montre cette photo, vous pensez à quoi ? Ben, quand j'étais au lycée en Tunisie pour ma terminale, justement, j'étais à Tunis, on est descendu un peu pour retourner sur le passage de mes parents. Parce que ma mère a grandi à Sfax, mon père l'a connu là-bas, mais mon père enseignait sur l'île de Kerkena, donc avec mon oncle Paul et ma tante Yvette, que j'adore aussi, qui sont un peu des deuxièmes parents.
et mes cousins, Pierre et Roger, on part à Kerkena. Et quand on arrive à Kerkena, bon, sur le petit bateau qui faisait la traversée entre Sfax et Kerkena, je vois un type qui jouait sur l'Enzar, un Tunisien. Et moi, vu ça, la tranche d'âge, je m'approche de lui, et puis pour frimer un peu devant mes cousins, je m'approche de lui et je dis, je sais qui vous a appris la chanson. Il me regarde, il fait, ah bon ? Et je dis, c'est mon père. Et là, il me regarde, il me dit, c'est le fils d'Enrico Macias. Et c'est là que je comprends, que je réalise qu'Enrico Macias chantait sur l'Enza. Et vous pensez qu'avec votre papa qui avait eu des cours. Mais oui, je ne savais même pas que Enrico Macias. Et je l'ai raconté d'ailleurs à Enrico Macias, qui était mort de rire et qui a réagi en disant, mon fils. Ah ben voilà. Voilà. Voilà, tradition dans cette émission. De faire un selfie que vous mettrez sur les réseaux sociaux. Alors, vous y allez sur les réseaux sociaux ? Vous avez un. Ouais, il y en a d'autres qui vont pour moi. Bon, voilà. Alors ils mettront cette photo pour vous. Je vous l'enverrai. Non, mais je le ferai. Il faut que je fasse un effort. On sourit, hein. Allez, on sourit. Pas du tout. Et voilà, je l'ai doublé. Ouais, merci Jean-Pierre. C'était top, merci vraiment. Hein. C'était un plaisir pour nous. Vraiment, vraiment. À bientôt. J'espère. À bientôt. Et je croise les doigts pour le nouvel album qui va être super. J'espère. Ciao, bon, ciao Jean-Pierre. Ciao. À bientôt.